notre assemblée remplisse de la charité et devienne un temple saint dans le Seigneur. Voilà les premiers mots de l'évêque du diocèse de Porto-Novo, Monseigneur Aristide Gonzalo. Il faut noter que la commune de Dongbo, l'église famille de Dieu de Dongbo a une histoire. De 1921 à 1955, on a noté la naissance d'une communauté grâce à l'apostolat des laïcs. Frères et sœurs, nous demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre Père. En ce moment même, l'évêque va passer la bénédiction. Dieu éternel et tout puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Bénis cette eau. Pour que nous en recevions des forces en ce jour où tu es consacré. Par cette eau, renouvelle-nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pouvons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu tout-puissant, veille bénir ce sel. Que tu as toi-même prié. Autrefois, tu as ordonné aux prophètes d'Élysée d'en jeter dans les eaux pour qu'elles n'enchantent que la mort. Permets, Seigneur, dans tout lieu, où l'on répandra l'eau que nous avons mérité de celle, la présence de ton esprit est une adversaire et nous protège mon vivement par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Son arrivée, le missionnaire fut fortifié par cette heureuse initiative. Il fut remarqué la très grande proximité du Yéroquin par rapport au marché. C'est ainsi qu'on sollicita la bonté du roi Toutibotambo. Celui-ci ordonna promptement de trouver un domaine au quartier de Pomme. Là fut relâché la première chapelle du Sétimo régulièrement. Le silence du catéchisme et les assemblées dominicales. Le récit incarné par Thomas Thébault et ses familles promis réellement le 26 avril 1925 avec le baptême de 18 catéchumènes de Pierre, Pierre Bahouani, Jacques Fassini, André Lazare Dessous, Jacques Kodjo, Champagne, Tadeo Kou, Baptiste Boudjoli, Henri Agenon, Mathias Mignon, Victorien Pinançon, Bernard Persuivant, Philippe Tikada, Thomas Boussard, Mathias Dessau et j'en passe. Le père Francis Opier passa la main au père de René Lotois, qui travaillait premièrement et de très près avec la jeune communauté chrétienne jusqu'à l'élection en paroisse en 1937 de la mission catholique d'Azalissé confiée à la pontifice du grand missionnaire d'Arménien, le très vénéré Dominique ADN, appelé effectivement ici le missionnaire de la Galilée. Va continuer. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume.
1970, le camp du père Ignace Fallu, véritable pionnier, le père Ignace Fallu, avec ses talents de rassembleur d'animateurs et mobilisateurs, donna un élan très puissant à la postérité amorcée avant son